Yassa et la compagnie, on est de retour aujourd'hui pour un nouvel épisode de RMS sur le grand artiste Daddy Yod. C'est parti. Sténard Saint-Philippe, a.k.a. Daddy Yod, né à Petit Canal en Guadeloupe, est l'un des précurseurs du raga en France. Il arrive en métropole à l'âge de 9 ans. Je suis arrivé, j'avais 9 ans et demi à Paris, en février 1974. Ouais. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas le demi-dôme qui m'a emmené ici, mais la maladie de mon père. Ouais. Il vivait à Paris. Non, c'est parce qu'il était malade gravement, donc il est rentré en France. D'accord. Et pour se soigner. Après, quand ça a été mieux, il nous a fait venir. Il fait ses débuts en 85 avec le sound system Youthman Unity Academy, aux côtés entre autres de Pablo Master, General Murphy et Princess Erika. Et là, ainsi, la lui qui rappelle les Bunton en Jamaïque. Une grosse voix rauque qui vient de la gorge. Il a été fortement inspiré par King Yellowman. Quand j'ai voulu vraiment chanter, c'est quand j'ai découvert le DJ business, quoi. Yellowman, Toyan, après les autres générations comme Daddy Freddy, Tiger, tout ça, bon. Et voilà, quoi. Je pense que Yellowman a joué un grand rôle là-dedans. Lui aussi se retrouve sur la compilation Rap Attitude en 1990, qui devient disque d'or. Il nous sort Rock en 11 ans. Daddy Yod en direct de la prison. On a du rock en zonzon, ils enferment les soi-disant mauvais garçons. Les matons avaient perdu un noix d'élion. Rap Attitude, ouais, c'est ce qui a permis au grand public de vous découvrir, de vraiment connaître toute cette scène raga, hip-hop en France, quoi. Mm-hmm. Ok, aujourd'hui, tout le monde connaît NTM, Assassin, King Daddy Yod. On faisait partie de cette compilation. C'est ce qui a permis au grand public de vraiment découvrir cette scène raga hip-hop en France, quoi. Mm-hmm. Une compilation qui regroupe beaucoup de précurseurs du reggae dancehall, dont Tonton David, Sai Sai ou Nutty. Un disque qui s'est bien vendu grâce en partie au succès de Tonton David. En 87, il sort un maxi avec Tony Gadd, Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête, you know ready yet. Elle n'est pas prête, you know ready yet. Le titre se retrouvera sur la compilation France Connexion, sortie la même année. En 90, il sort son premier album Redoutable, produit par Bakshish Records. Le single de l'album Faut pas taper le doudou est un gros succès sur les territoires et aux Antilles. C'est une femme, alors il faut que tu la charmes. Pour toi, ceci ne doit pas être un blâme. Au garde à bois, il me dit à garde à bois, hey. Au garde à bois, il me dit à c'est à nous, non, non. Tu dois se préparer à défendre sa patrie. Je ne veux pas aller à l'armée. Je ne veux pas aller à l'armée. Non, ma fille. En 91, sort King Daddy Yod, le second opus de l'artiste. Il pose sur la pochette avec le maillot jaune du Tour de France et nous livre un de ses plus gros hits, Delbor. Un titre qui va ravager les sound systems et qui va remixer tout au long de sa carrière. En fait, le maillot jaune, c'était pour rendre hommage à des coureurs de cyclistes, Pauline et Molia de chez moi. Ouais. Ok. Parce que même si je vis en France et que je chante en français, je suis toujours resté très proche de ma culture. En 93, il enregistre avec Sly et Roby l'album Incorruptible. Fou dans les têtes, fou dans la tête, rien dans le sacness. Plus de respect. Dis papa t'as vu, il y a des femmes sur les photos. Dis papa t'as vu, il y a des femmes, c'est rigolo. Ils se servent des femmes et nous mènent en bateau. Ils enforcent leurs idées à coup de ma voix. J'ai une bouche à pied pour les plats, pour les loups. Des gros loulous pour jouer au loto. Elle-même, même si des fois c'est des
Daddy Yod Pardy en 93, un clash face à Daddy Nutty à l'espace des Peupliers à Paris, 13e, devant 1200 personnes. Eh bien, vous savez, ça fait partie de la culture raga, reggae, les clashs. Et c'est vrai que si on peut parler de clash, il y a eu ce clash avec Nutty, qui est un artiste que je respecte beaucoup, qui a beaucoup de talent. D'ailleurs, dans l'album, on a un duo ensemble. D'accord. Et le dernier, là, Oui. C'est bien pour la preuve comme quoi que les artistes peuvent faire des clashs. Et se réconcilier après. Et bien sûr, parce que ça fait partie de la culture reggae, raga, qui est des clashs. Sans que, ça arrive, sans que ça arrive aux mains, sans que ça arrive à des trucs incontrôlables. Donc voilà quoi. En 95 sort son album Le Survivant et sort même un album live. C'est le lion, le roi des animaux, libre dans la jungle, enfermé dans les eaux. Le lion est king, ce n'est pas du apico. Je suis un survivant dans la jungle, je ne suis pas un macabre. Je suis un survivant. Télérec, pas de pauvres, télérec, pas de parasites, télérec, pas de polémique, nick, 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 là. Les gens lyriques, c'est tous les jours, je partis. Ce n'est pas magique, le natural myth, stick festorique, authentique, mais pas du atout. Il participe en featuring à l'album du groupe Hip Hop Tout Simplement Noir sur l'album Dans Paris Nocturne, avec les titres Gagnés pour et Club TNS. En 97 sort son cinquième album, Le Contrat, avec son meeting Kung Fu Fighting ou La Part du Gâteau. Et une tribute to Bob Marley. C'est une nouvelle danse, jump pop pop dance, c'est une nouvelle danse, c'est la danse du Kung Fu. Kung Fu Fighting. C'est le style du chat, c'est la danse du Cobra. Rise and fall and fighters, so rise and take your stand. Hidden back there, on the wall, the hidden back there. Reggae a ka joué à tout le monde, a ka jump up. C'est Bobby qui chante Gain Up Stand Up. Au pied du mur, au pied du mur, au pied du mur. Il participe à la BO du film 4 garçons pleins d'avenir avec Caroline et Ma Part du Gâteau. Hélène n'est pas une amie intime. Dans ma tête, c'est toujours Marie-Jeanne. Ce n'est pas un délire ni même un fantasme. Avec elle, je suis toujours très calme. Je suis bien dans ma tête et je plane. Hélène n'est pas ma concubine. Et je ne connais pas de bruit. Personne ne bouge, personne ne voit pour vous. Je veux ma part du gâteau. Je veux à ma part du gâteau. Le nom humain, ça ne va pas être du gâteau. Hey, 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 je ne vais pas démettre. Je veux des gros morceaux. Dans mon blouson, mon cou à couteau. Regarde mon fin, mis son cou à ma joue. Dangereux, 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 dangereux. Cet homme est dangereux. Ils ont fait fumer mon Victor. Hein? Non? Non, Victor, c'est mon chien. En 2000, il joint le collectif de Pierre-Paul Jacques, plus de cœur égale soleil. Il participe à 8 titres sur ce double album, avec des combinaisons avec notamment Pierre-Paul Jacques, Baby G, Flamengo, Boom Sound, et nous sort un gros titre solo, Donne le Maximum. Mister Daddy Yacht, hey yo, donne le maximum, donne le maximum, hey, n'attends rien de personne, car aucun homme n'est meilleur qu'un autre homme, personne ne peut freiner personne. En 2001, sort son album Timber Red et un album live. Tu as la clé, toi seul peux me libérer. Le rêve est devenu une pure réalité. Quand dans tes bras je me suis réveillé. Tant de choses à partager. Tant de choses à réaliser. Quand t'es à mes côtés je me sens fort comme un lion. Pour un toit de mes mains je bâtirai notre maison. Que toi. L'année d'après sort l'album Showgirl. Bouge, bouge, sur le rhythm, son corps à corps est élastique. C'est une bombe, bombe, bombe sexuelle. Voulez-vous danser avec moi, mademoiselle? Girl, toute la nuit, tu danses sous le rhythm. Le go, baby, go, baby, go. Girl, c'est avec vous que j'ai moins dansé. Vous inquiétez pas, je vais pas vous agresser. Plus d'amour, beaucoup plus d'amour. Plus d'amour dans nos cœurs. Vous trouvez la vérité, vous la cherchez. Et toutes les autres îles grâce à ma musique. Il participe aussi aux compilations Kill La Session 2 avec Sexy Lady, avec Supa John, Elie L.I.B. et Matt Gila. Et aussi sur le One Rhythm album Pucci aux côtés de King LC avec le titre Peace and Love. That's right, Sexy Lady.
toutes les gars scream, les badman scream, c'est normal, scream le micro. Les gars de toute communauté, yes, toutes les pures beautés. Charles, franchement, t'es oublié, pendant c'était toujours. Orléans, ça c'est mon amour que je te donne. Donne, moi ton affection maximum. Baby, you know I love you so. And I want you to know. Que l'amour et la paix soient avec nous, c'est la CIA. Tous les ghettos, you les soldats rastafari. Regarde les liens, tous ces politiciens. Je vois le peuple qui meurt de faim. Le peuple vote pour eux, mais nous traite comme des chiens. À chaque fois j'allais m'aspirer, Babylon brûle. Fire. Toujours en 2002, sort un maxi Diable après Nio, extrait du nouvel album Kimper Red. Il est revu en 2006 avec son album Fresh, avec une énième remix de Delbor, en feat avec Flya, Jamadon, Ragdarranx et Tiwani. Maintenant quand j'allume ma télévision, avec leur pile c'est les informations. Que ce soit un reggae ou bien un gospel, j'ai vu mes sentiments et un naturel. Faut risquer pour faire tuer comme des vilains mortels. Tel, tel. Ta voix a bougé comme un vrai wagon morphine, avec le cou accompagné de jolies filles. Boum badadadaï, boum badadadaï, tout le monde est avec moi. Boum badadadaï, bouge la tête comme ceci a pas un mot. Ce qui compte tout un jour est bien dans sa peau. Il participe aussi à l'album de Princesse Erika avec le titre Tout l'amour. L'argent pouvait acheter l'amour, le pauvre amour est riche pour l'amour. Si l'amour est à vendre, alors je suis millionnaire. Si l'amour est une arme, alors je suis une meurtrière. Pousse ta mitraillette. Oh, l'amour n'a pas de couleur. Tout l'amour de mon cœur. Non, l'amour n'a pas de couleur. Tout l'amour de mon cœur. La grandeur de l'amour, la force de l'amour, le pouvoir de l'amour, la puissance de l'amour. One love, c'est plus fort que la haine. En 2009 sort un best-of nommé Anthologie, regroupant tous ses plus courts hits. Cette même année, il participe au documentaire de Cristobal Sevilla et de Olivier Offrère, Il était une fois le Ragamuffin, où il interviewe pas mal d'acteurs majeurs de la création de la scène reggae dancehall française, avec entre autres Princesse Erika, Pablo Master, Sai Sai ou encore Raga Dub Force. Il sort aussi un titre de Noël, Joyeux Noël, avec Lola Martine. En 2016, il co-anime la matinale soleil sur la radio Espace FM 90.8, le vendredi matin avec Ornella de 8h à 10h. En 2018, il enregistre le titre avec Desmarais Moine avec Jacob Devarieux. Avec un King Daddy Yod featuring un monsieur qui nous manque, qui nous manque énormément, Jacob Desvarieux, Desmarais Moine. Souvenir, ça reste, je pense que ça reste gravé en fait. Aujourd'hui, je crois que cette chanson-là, tu as dû la faire. En plus, je me souviens, moi, de l'histoire, c'est que tu contactes Jacob. Jacob aussi a ce respect pour l'homme que tu es, pour l'artiste que tu es. Tu vois, ça me donne des frissons au moment que tu dis ça, parce que c'est vraiment ça, quoi. Il accepte en fait de faire ce duo, et ça donne en fait de belles images pour, le clip hein, qu'on même a vu sur la, clip, qu'on vient de voir sur la page Facebook. Il est resté tout le temps, il avait même un rendez-vous, il a dû annuler, il est resté là. Moi, franchement, en travaillant ce titre avec Jacob, que ce soit au niveau de l'audio ou le clip, j'ai beaucoup apprécié, appris, mais surtout j'ai beaucoup appris. Voilà quoi, lorsqu'il a posé sa voix, après lorsqu'il a mis cette guitare et le résultat. Et on est sur en plus une chanson qui a un thème, quand on dit Démarrer moins. Ah oui. Raconte-nous cette histoire. Ah ben, Démarrer moins, c'est en double sens quoi, ok. C'est pas seulement démarrer des chaînes de l'esclavage mental, mais aussi de tout ce que ça a pu nous engendrer, la jalousie, la sorcellerie. Tous ces mauvais trucs, démarrer moins des mauvaises vibes, quoi. Parce que bon Dieu, bah, tout le monde en trésor, il suffit que chacun aille le chercher. Toi, il t'a donné le don de faire les artistes sortir ce qu'il y a de mieux en eux, ok. Moi, il m'a peut-être donné le don de interpréter une chanson qui parle à un plus large public. Il a donné chaque moment, mais en tout cas, donner à l'autre, en tout cas, et rester dans l'énergie positive. Voilà, c'est ça, quoi. Et sort l'album Un Bafei avec, entre autres, un gros feat avec Nutty, Guada Unity, Un Appel à la Paix, ou avec Rockin' Squad sur le titre Bordel. Bang, 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 bang.
des tables et noter sur le même mic. Yama, yeah, c'est pas écrit sur notre face, mais on est Guadeloupéens. Hein. Et c'est le reggae qui nous a mis au top. Premier de MC, son mot authentique. Tu connais bien nos noms, Guada est fier de ses fils. On représente depuis long time. Ça pas écrit en face, nous, mais nous c'est Guadeloupéens. Hein. Tu viens de Guada ou de Madinina. Tu viens de Lagos ou de Lima. Connexion universelle massive. À bordel, elle bon, sur le bordel. Naturel, on a tous besoin d'un modèle. Un modèle, mais de quoi je veux me faire. Babylone, la bande vampirise. Les peuples et l'enfer passent. Mathématiques, mathématiques, métaphysique, métaphysique, spirituelle, philosophique, trisensorielle, calligraphique, rare comme un homme debout, fier de ne pas être asservi. Je suis la nourriture des aigles. On trouve aussi Pierre Podjak, Kérosène, Daddy Mori ou encore le Profit avec Admiraté, Stoppons la violence. Batman, Batman, y'a qui ça me battle. C'est la nage tout partout dans le monde. Ça va caillou, y'a Gordon Ramsay. Société la plus rapide, donc faut nous crever l'abcès. Je dis non à la violence, je dis stoppons la violence. Je dis non à la violence, sans aucune tolérance. Faisons l'amour par la guerre, déposons les armes. Faisons l'amour par la guerre, joie, bonheur, mais c'est ça nous aimons. Il revient en 2001 avec un nouvel opus, Yod, album numéro 9, L'Authentique. J'ai trouvé le blues dans le bayou des rêves. J'ai rassemblé tous les épisodes de ma vie de fou. J'ai mis le feu à nos billets de banque pour rallumer le mojo de Daddy. Ma mise à jour est roulée, tu vas manger. Tonne de vibes sur ma rhythm arrange. Des soldats en papier mâché. Je vais les froisser, les bouffer, les recracher. Tu te la veine en yoga hip hop dans les bacs. Car selon la légende, je suis un DJ en Europe. Un flashback, ouma. Petit PQ en de rappel, je fais un flashback. Faut pas taper la doudou. En 2022 sort un livre, Le Roi du Domaine, où il raconte son histoire ainsi que celle du ragamuffin, lui qui était au cœur de la naissance du mouvement en France. Un album est prévu pour 2023 qui va s'appeler Mythes et Légendes. On peut déjà trouver certains extraits sur YouTube. Toujours sérieux quand je bosse, indépendant, je suis toujours mon propre boss. Clean, style de ma ready, mais à style de ma gueule. Style de ma ready, mais à style de ma gueule. Clean, on a des styles à l'appel. Journaux, sa fille a toujours un rappel. Force mentale, ouais, j'ai ça dans les veines. Sens du rythme, on a ça dans les gènes. Mais tu viens aussi avec une actualité. Oui, ma nouvelle chanson qui s'appelle Clean. Ouais. Et qui est en fait un des premiers extraits de mon nouvel album qui s'appelle Mythes et Légendes. Mm-hmm. Qui va sortir en début de l'année prochaine, quoi, 2023. Voilà. Tu t'arrêtes pas en fait. Tu t'arrêtes pas, tu veux pas t'arrêter. Non, moi je sais faire que ça. Et ouais. Puis tant que j'ai l'inspiration, mm-hmm. que j'ai des choses à dire, je continue, quoi. J'ai voulu arrêter. Il y a eu des moments où j'avais le sentiment que j'avais tout dit et que. Mais on se fait finalement, attraper, non. Un artiste avec un univers à lui, assez hardcore dans sa façon de chanter, sachant être militant, mais aussi faire des chansons plus légères pour faire la fête dans Sound. Avec un sens de l'humour unique que l'on retrouve dans bon nombre de chansons, lui aussi a contribué à la francisation du reggae. Pour que nous, en France, on ait aussi notre scène reggae, bien sûr bien influencée par notre grande sœur la Jamaïque, mais avec notre culture et celle des îles. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle touche à son but, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Allez, big up la compagnie. Peace.